PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous présente Paradise of Poker. Bienvenue dans Paradise of Poker. Je suis déjà sous le soleil de l'île Maurice. Tout de suite, nous allons retrouver le PT de Deauville pour la table finale. Rendez-vous la semaine prochaine pour le lancement du World Poker Tour. Enchanté Sylvain, merci de me recevoir. Enchanté aussi, je suis content de te rencontrer. Ben moi depuis le temps que je vous regarde, donc je me suis dit un jour j'espère faire partie de ce petit écran de Paradise of Poker qui ne rêve pas de faire un WPT après un EPT. Surtout c'est mon premier, dans des conditions où je représente un peu justement le WPT Maurice. Vous connaissez quand même, hein? Vous m'avez déjà vu? C'est avec ces vidéos qui a été fait dans un côté vraiment déluré et dans l'autodérision surtout, avec justement l'un des joueurs pros de la team PMU.fr qui est Philippe Torza. Tapis ! Payé ! Paire de rois ! 31, blackjack. Je prends ça très au sérieux parce que les pseudo-critiques en fait qui ne font pas partie des vraies personnes, ceux qui ont vraiment vécu le poker à l'ancienne et qui ont un vrai recul par rapport justement à leur jeu. Toutes ces pseudo-personnes qui connaissent rien du poker et qui la seule chose qu'ils savent dire c'est fiche, il sait pas jouer et qu'il a besoin d'argent, je les laisse tomber. Moi en tout cas je suis un vrai amateur passionné je veux vraiment progresser. Tapis. Et si tu me colles, tu te prends à 14 juillet en pleine face. Oh, ok, je me couche. J'ai la chance aujourd'hui de commencer à prendre des cours avec un vrai champion. Je ne pourrais pas vous dire le nom pour la simple raison, c'est parce que c'est un deal entre lui et moi. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je vais bien mettre dessus et que mon objectif à moi, c'est de décrocher un vrai tournoi. Voilà, peu importe combien de temps ça mettra. Oh.
à l'EPT de Deauville. Moi, d'habitude, je te vois jouer sur Internet, sur PMU notamment. Et là, tu viens jouer des tournois live. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai joué sous les couleurs de PMU jeudi soir. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé, le 440 Bounty Turbo. Et là, donc, je vais jouer le Ladies. Le Ladies commence dans exactement 15 minutes. Qu'est-ce que tu penses du niveau global des Ladies ? Alors, le niveau global, à part quelques joueuses que je connais, entre autres, je pense que... Il n'y a pas un niveau très élevé. Après, je me méfie quand même de certaines joueuses. Cependant, la structure est quand même assez rapide et c'est surtout ça qui me fait peur. Donc, on va essayer de tout donner, mais j'espère que les cartes seront avec moi. Au début, j'ai eu pas mal de chance. J'ai touché un carré de 3 floppés, 3 paires d'as, plusieurs fois des as-dames, tout ça. Enfin, j'ai eu vraiment pas mal de chance. La fin, un petit peu moins. J'ai fini finalement 11e. Donc, c'était les 8 premières dans l'argent. Et malheureusement, j'ai pas pu faire la table finale, ce que je visais au moins. J'étais déçue. Ouais. Paire de 8 contre paire de 2, c'est ça ? Non, je suis pas sortie sur ce coup-là. Mais c'est vrai que c'est un coup qui a pas mal mis mon tournoi en danger. J'ai perdu la moitié de mon stack sur ça. Et finalement, derrière, je me suis retrouvée mal, quoi, parce qu'il me restait plus beaucoup de jetons pour pouvoir aller loin dans le tournoi. Et derrière, le désert de cartes total. Je joue sur PMU, un petit peu sur MyPoke. En moyenne, je pense que c'est 10 euros. Enfin, c'est pas énorme, quoi. C'est des fois plus, des fois un petit peu moins, mais ça tourne autour de 10 euros. Là, pour le Ladies, je m'étais qualifiée vraiment à partir de 1 euro suite à plusieurs stats de SAT. Et donc, ouais, je suis contente. Enfin, un site original de poker, killtilt.fr, proposé par Simon Pinot Sanchez. Des vidéos gratuites à télécharger pour vous éviter de tilter au poker, peut-être un défaut qui vous touche régulièrement. Eh bien, Simon va vous expliquer sur des tables très simples, en 0-10, 0-20, comment ne pas tilter, comment se relaxer, comment gérer des situations assez critiques. Et il vous proposera également du coaching particulier. Vous pouvez retrouver tous ses conseils sur www.kill-tilt.fr. Pour la deuxième fois en 2 ans, les World Series of Poker Africa ont réuni le quota des joueurs sud-africains et du monde entier, avec un record à la clé, 214 joueurs, soit le plus gros tournoi de poker jamais organisé dans l'océan Indien. Ce tournoi est organisé par Shuffle Up Poker, Gary et Marie qu'on voit ici en photo, et il a vu la victoire de Joey Boy Rameux, le frère de Ray Rameux, ex-3e du Main Event et Team Poker Star Pro. Le numéro de mars du numéro 1 des magazines de poker français, Poker 52, est en kiosque. Au sommaire, l'interview exclusive de Cool Chain avant son départ pour le WPT National Mauritius, le PT de Deauville, le classement Endon Mom et tous les conseils des pros. Le vol, ça n'a pas été trop dur ? Un petit peu long, mais bon, mon ami avait décaché pour dormir très fort, donc on n'a pas vu le vol passer, on a dormi quasiment tout le long. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'île Maurice aujourd'hui ? Ben, avant tout, on est venu en vacances avec mon ami, son ami, en couple. Donc bon, avant tout pour passer un agréable moment entre amis, bon, un endroit paradisiaque, hein, parce que comme on peut le voir, c'est super. Et après, on va faire un WPT qui a été organisé ici en espérant faire le meilleur des résultats. Ben, écoutez, on vous le souhaite. Mais c'est gentil et j'espère vous voir très bientôt pour vous dire qu'on a fait un très bon résultat. Chose à suivre, on va dire. Alors, à côté de moi, j'ai monsieur... Maral Rémy. Alors, comment ça va ? Comme mon ami, aussi bien. Ils vont tous bien maintenant ? Ça peut aller que bien ici. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'île Maurice ? Jouer ? Profiter ? Surtout en vacances et puis on va profiter, comme on est des joueurs de poker, de faire le WPT et en espérant de faire un petit résultat. On vous le souhaite. Ben, merci beaucoup. Bon, ben, bonne chance, messieurs. Merci.
sommaire du prochain Paradise of Poker, retrouvez les WPT National Mauritius, la championne du monde Vanessa Helbig nous dit tout sur la suite de sa carrière et une interview du célèbre Gary Baldi. Rendez-vous à la semaine prochaine. Hein, rendez-vous à la semaine prochaine. Crie pas. Mais il m'a dit on m'entend pas si je crie pas. Ok, recommandez-vous. PMU.fr, la poker room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous ont présenté Paradise of Poker.